Alors dans le dernier épisode, on s'était quitté à Izmir, quand je venais de finir mon aménagement. Enfin, je dis finir, mais il me restait quand même quelques trucs à faire. Et c'est pour ça que j'ai continué en direction du sud de la Turquie, pour trouver un petit spot pour pouvoir fabriquer quelques derniers petits trucs dans Barnabé. Et après 2 jours de travaux, j'avais enfin ma douche, comme tu as pu le voir, et aussi une caisse à l'avant qui allait me permettre de ranger tout mon matériel, mes papiers, et bien d'autres choses, pour toujours les avoir sous la main quand je conduis. Une fois que tout était fait, je me suis remis en route, histoire de découvrir un peu plus ce pays, parce que jusqu'à présent, j'avais pas vraiment voyagé à proprement parler. J'avais beaucoup de travaux à faire sur Barnabé, et ce qui fait que j'étais principalement dans les villes, et j'avais pas vraiment le temps pour pouvoir visiter les environs. Mais ça y est, maintenant que tout est fait, l'aventure peut commencer. Là du coup, je me retrouve à passer juste une rivière en bateau, c'est-à-dire que ça fait 50 mètres, et il n'y a pas de pont, donc du coup je suis obligé de prendre le bateau. Et en fait avant j'étais dans un cul-de-sac, et ça m'évite en fait de tout remonter, faire 30 minutes de route et revenir par ici, parce que je voulais faire absolument une lessive histoire de repartir sur de bonnes bases. Donc je suis obligé de prendre le bateau pour 50 mètres. Alors au final, pour la lessive, vu que ce n'est pas des lessives automatiques, donc c'est pas toi qui fais la lessive, tu la donnes à quelqu'un pour qu'il te la fasse, et bien je dois attendre demain matin pour qu'elle soit prête. Et ça, je m'y attendais pas, je pensais que ça allait être fait dans la journée. Donc du coup, je vais devoir trouver un spot pour ce soir dans les environs avant de récupérer ma lessive demain matin. Au final, avec ce genre de vue, je regrette pas tellement que la lessive soit prête que demain. Parce que là, le lieu est juste magnifique. Et en soi, c'est pas si souvent que ça que t'as des vues à couper le souffle depuis ton salon. Ma prochaine étape dans ce road trip, c'est le lac Salda. Un lac un peu spécial, tu vas voir, et qui se situe au milieu des montagnes. Et depuis mon arrivée en Turquie, je peux te dire que mes visions des distances à parcourir a bien changé. Parce qu'ici, le pays est tellement grand qu'il faut de nombreuses heures de route pour atteindre les différents points que je voulais visiter. Après, tu relativises un petit peu, parce que même si les routes sont longues et toutes droites, les paysages que je traverse, quant à eux, sont magnifiques. Ouais d'accord, ce lac est juste magnifique. Il est même qualifié de lac le plus limpide et plus propre de Turquie. Et ça tu peux t'en rendre compte juste avec la couleur de celui-ci. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait ce lac réside sur un ancien cratère. Et grâce à ça, ça en fait un des lacs les plus profonds de Turquie. Sa profondeur peut aller jusqu'à 196 mètres, ce qui est juste énorme. Et rien qu'avec ça, tu peux déjà te dire que c'est un lac très spécial.
Mais c'est pas tout, parce qu'en fouillant un petit peu sur internet, je suis tombé sur une recherche qui a été faite par des scientifiques de Turquie et d'Amérique, et il en résulte de celle-ci que les roches qui résident sur les berges de ce lac sont celles qui ressemblent le plus sur Terre à celles que l'on peut retrouver sur Mars. Malheureusement, la météo commence à se dégrader un petit peu. C'est du coup, il y a beaucoup de vent, beaucoup de nuages. Il fait beaucoup plus frais parce qu'on est quand même déjà à 1100 et quelques mètres. Donc il va être temps de mettre les voiles et de partir pour un autre spot. Et surtout aussi parce que j'ai plus du tout de gaz. Et pour gagner quelques degrés, j'ai pris la direction de la côte où les températures avoisinaient toujours les 30 degrés. Alors au final, j'ai pas réussi à trouver les bonnes bonbonnes de gaz pour mon réchaud, ce qui fait que du coup, j'ai dû en racheter un autre. Mais après je me dis c'est cool parce que celui-ci va être vraiment stable, même si c'est pas vraiment ce que je voulais à la base. De base je voulais vraiment avoir deux feux, histoire de pouvoir cuisiner deux trucs en même temps. Mais je me dis que ça va le faire, et au moins j'ai des cartouches de gaz que je pourrais trouver partout en Turquie. En tout cas je suis content d'être revenu au bord de la plage, parce qu'ici les températures sont quand même beaucoup plus agréables. On est sur du 30 degrés, ça c'est quand même beaucoup plus appréciable, surtout quand tu passes ta vie dehors. Lundi, donc je vais pouvoir aller à Antalya voir ce qui va être possible de faire sur le Barnabé, enfin, surtout au niveau des services, parce que j'aimerais vraiment faire tout ce qui est vidange, choses comme ça, petit check-up avant de continuer le road trip dans les terres de la Turquie. Au fur et à mesure de discussion, je me suis retrouvé ici, dans cette espèce d'hangar rempli d'objets métalliques, et ça, c'est parce qu'une petite idée m'était venue en tête. Bon, finalement, là, ce que j'ai trouvé, c'est des dalles de suspension que je vais rajouter en fait sur le van, histoire que ça compense un peu tout le poids qu'il y a à l'arrière. Enfin, je dis je, mais c'est plus ces deux loulous qui vont s'occuper de faire tout ça. Oh, et le fait de rajouter une lame de suspension de chaque côté va me permettre en fait de relever le van de quelques centimètres. Parce qu'avec tous les meubles que j'ai rajoutés dans Barnabé à Izmir, ça fait beaucoup plus de poids à supporter. Ce qui fait que Barnabé était tout le temps à cul. C'est pour ça que le fait de rajouter des lames de suspension va me permettre de compenser le poids du véhicule. Le seul petit souci de ça, c'est que du coup les suspensions seront beaucoup plus raides, donc un peu moins confortables. Alors ils viennent de finir, donc il est un peu tard et le soleil est déjà couché presque. C'est pour ça que j'ai vite fait me trouver un spot pour passer la nuit. Je me réveille le matin avec une chaleur de fou furieux. Je sais pas vraiment où j'ai atterri parce que je suis arrivé sur le spot de nuit, mais quand je sors de Barnabé, je deviens comme un ouf de par la beauté des paysages. Parce que pour être honnête, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à voir des pins à perte de vue, des énormes montagnes aux alentours. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est quand même à 15 minutes de la ville d'Antalya. Avoir ça à 15 minutes d'une ville où il y a 2 millions d'habitants, c'était juste impensable. Mais bon, c'était pas non plus le temps de s'attarder parce que j'avais encore beaucoup de choses à faire. J'en profite juste avant de partir pour prendre une douche. Parce que maintenant que j'ai une douche ultra luxe et qui se monte en 2-3 mouvements, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas me laver. Après ça, il est temps de filer parce que j'ai encore beaucoup de garage à faire, histoire de voir qui pourrait me faire les vidanges sur Barnabé et à un bon prix. Et souvent, les négociations, ça prend du temps, surtout quand tu bois tes sûretés. Donc c'est pour ça, j'essaie de m'y prendre en avance et je pars sans plus attendre à Antalya.
Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un autre garage parce qu'en fait, hier, j'avais demandé à celui qui était à côté, celui qui m'a refait les lames de suspension, mais il me demandait un poil cher. Là, j'ai demandé, c'était beaucoup plus dans mon budget. Et au moins, j'ai changé l'huile de transmission, l'huile de pont. Alors, première étape, l'huile moteur. C'est très sale. J'ai attendu un peu trop longtemps avant de la faire. Ensuite, vidange de la boîte de vitesse. C'est pareil, même histoire. J'en profite en même temps pour être un petit peu dans leurs pattes pour en apprendre un peu plus sur la mécanique. Le tout grâce à ce bon vieil outil Google Traduction. Dernière étape, l'huile de pont. Là par contre, pas besoin de la changer, elle était encore nickel. Sans oublier le petit dé traditionnel. Donc là c'est tout bon, la vidange a été faite, la vidange de la boîte à vitesse a été faite aussi. Et ils m'ont dit que pour l'huile de pont, c'était pas nécessaire parce qu'elle était encore très bien. Donc voilà, donc ce sera que deux vidanges et au moins on repart de zéro. Et au final après ça, je suis bien resté une heure de plus dans le garage parce que le patron m'a gentiment invité à manger avec lui. J'en profite en même temps d'être à Antalya pour faire d'autres magasins aussi et pour vraiment finaliser Barnabé pour la suite. Parce qu'après, il y aura beaucoup moins de villes et donc beaucoup moins de magasins. Avant ça, je profite pour faire un coucou aux petits potes qui sont en ville. C'est bon ça. En tout, je fais plusieurs magasins pour trouver ce que je cherche. Le seul problème, c'est que les deux manquent de stock et que du coup, je vais devoir revenir pour chercher le matériel. On profite alors des dernières lueurs du soleil pour faire quelques petites pistes dans les alentours du spot de la veille. Mais bon, qui dit terrain chaotique dit petite surprise. Un problème l'équipe. Force de vibration, le bout du pôle d'échappement s'était scindé en deux. Donc ça me faisait un petit souci à régler en plus. On était donc reparti pour une journée complète à Antalya. Première étape, aller chez Ougour. C'est la personne qui allait me permettre de récupérer des plaques de désensablement. Parce que je t'avoue que depuis que je me suis ensablé plusieurs fois sur la plage, je m'étais dit que c'était le genre de matériel assez important d'avoir avec soi. Bon, après l'omelette, c'est le temps du café et du coup je leur fais un petit café. Tu vois un petit peu la différence avec le Turkish Coffee. Le sourire again. Et là il allume toutes ses lumières comme ça. De son van et même à l'intérieur, il allait tout allumer. Tu vois. Waouh. Gizéa. Oh yeah, même à l'intérieur. Bon, je pense que tu l'auras compris, mais on a encore bien resté 2-3 heures dans ce magasin à discuter et pour aussi que Ougour nous montre son van parce qu'on était quand même assez intrigués de ce qu'il avait fait à l'intérieur. Les petits crochets, ça. Waouh! Chai Chomo! Mika! Ti! Deuxième étape de la matinée, c'est qu'on passe dans un autre garage pour en mettre un haut-vent sur Barnabé, histoire de gagner en confort avec l'hiver qui arrive et la pluie. Une fois que tout le matériel était récupéré, il me restait une dernière chose à faire. Remplacer l'embout de mon pot d'échappement. Et pour ça, je me suis retrouvé dans ce petit magasin spécialisé en la matière. Et pour le réparer, il a juste rembranché un bout de pot d'échappement qu'il a ensuite soudé à l'original. Et une fois que tout était prêt, tout était réparé, il était temps pour moi de prendre la route de Konya, qui est une ville qui se situe bien plus au centre de la Turquie. Et maintenant que j'avais des plaques de désensablement, je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller explorer les environs montagneux de la ville par les pistes. En fait là j'ai voulu prendre une piste, c'est dans quoi je suis exactement, et j'attends de voir jusqu'où ça mène, et on verra s'il y a un spot à la clé. En tout cas c'est magnifique, ça change vraiment de la côte. Mmh.
parfait. Heureusement que je l'ai lavé ce matin. Bien content d'être arrivé ici en tout cas, la vue est juste incroyable. Et en fait juste en bas, c'est la ville de Konya. Et ici on est beaucoup plus dans les montagnes, d'ailleurs ça se sent directement. Je peux te dire que le changement avec Antalya est assez rude. Parce que là-bas on était sur du 30 degrés la journée. Et là il fait vraiment très froid, là même avec le pull j'ai un peu froid. Et après une nuit glaciale, j'ai repris la piste pour pouvoir rejoindre la ville de Konya. Voilà, du coup, ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de rejoindre cette petite route-là. Parce qu'en fait, j'ai commencé ici la piste. Et là, je suis ici, je me dis que je peux la rejoindre. Mais alors après, là, je suis bloqué entre soit à droite, soit à gauche. Et à gauche, ça monte vraiment fort. Donc, je pense que je vais prendre à droite. Alors, je sais pas si tu vas réussir à voir, mais moi j'aimerais bien rejoindre cette route là. Et le truc c'est que le chemin que j'ai pris ça devient de plus en plus compliqué, on va dire. Donc je pense que je vais faire marche arrière et je vais prendre la grosse montée. Ça, ça descend de ouf. Et après c'est vraiment caouteux, il y a même des petites herbes et tout. Donc ça va être compliqué pour lui je pense. Donc je vais remonter et là-bas en fait t'as le chemin qui passe normalement. Et qui va me faire rejoindre cette route en bas. L'aiguille tendue. Vas-y, Lou. Bon. Vu que ça patine. Demi-tour ailleurs. Ah ouais, là c'est gadou là. Heureusement que j'ai des pneus de ville. Alors j'ai réussi à faire demi-tour. Et là, juste regarder un petit peu comment prendre la pente. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est prendre de la vitesse. Parce qu'elle est quand même assez pentue. Et moi ça. Ah, c'est quand même fun. Au moins passer la deuxième. Et le reste de la piste s'est déroulé à merveille. Enfin, à un détail près. Bon alors, au final, il y avait deux Turcs qui bloquaient la route et ils m'ont invité à petit déjeuner. Donc on va petit déj ici dans la montagne. Et en tout, je suis resté 3 heures avec eux, comme ça, à écouter de la musique, à se partager un peu nos artistes préférés, à grignoter, à parler un petit peu de ce qu'on faisait dans la vie, nos métiers respectifs. Et franchement, c'est ça que je kiffe en Turquie. C'est genre, on se connaît pas, mais vas-y, viens, on va kiffer un petit moment ensemble. Bon, c'est une définition un peu de sortie derrière les fagots à l'instant, mais je pense que ça résume bien toutes les rencontres que j'ai fait depuis que je suis arrivé en Turquie. Mais bon, après ça, il est temps de se quitter pour que je puisse rejoindre l'aéroport de Konya en temps et en heure. Et oui, parce que la suite de l'aventure ne sera plus un solo. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Et sur ce, je te dis à la prochaine, la bise.